Barbie, test. Les tests de merde, avec une voix à la con. Bonjour Maya, bonjour Denis, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Allô, c'est Star Barbie Chétif à Paris. On se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1920e robot de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du toutou puisqu'il s'agit de ce qui est écrit à l'écran. Alors, c'est toujours sur la famille clone. 500 en 1, je sais même pas si j'ai déjà fait ce jeu. J'ai rien préparé, donc si jamais je l'ai déjà fait, je sais plus si j'ai déjà fait. Je passerai d'une autre. Je passerai à un autre jeu ni mieux connu. Je me ferai même pas chier au montage. Alors ce jeu me dit quelque chose. Il a dû être hacké en fait. Il doit y avoir un hack de ce jeu, mais ils ont mis Mario à la place parce que ça me dit quelque chose. Alors j'ai déjà le jeu sur mes K-Drive qui doit ressembler. Mais en tout cas, il est très beau. Alors je suis toujours pareil, j'utilise l'appareil photo Lumix trouvé dans les poubelles parce que Dazzle ne reconnaît pas. Alors, on reconnaît bien la musique, il est très maniable malgré la manette de merde qui est donnée. Ah putain, il y a Daffy Duck. Oh putain, c'est bon, ils ont le même comportement, je vois pas à quoi ça apporte rien. Alors on voit Abdouwap et Abdouwap et Abdouwap, Abdouwap. Pour l'instant, c'est vraiment facile. Le gameplay, il n'y a pas de difficulté. C'est juste un stage pour qu'on fasse un stage. Alors, ça ne me dit rien, j'ai pas dû le faire. Voilà, c'était un premier stage. Alors, je crois que les trucs à Adventure, chaque stage est différent. Dans Game Boy, je savais que le deuxième, c'était un shoot'em up. Le gameplay, c'est comme un Mario, sauf qu'il saute plus haut. Ça pourrait penser à un Luigi. Oh putain, la hitbox est généreuse parce que j'aurais pu me faire avoir. Bravo, là c'est tellement... Ah oui, il peut flotter comme un Yoshi. Oui, c'est comme Yoshi. Ah putain, bah alors c'est facile avec Duck. Alors en fait, il n'y a même pas... Il y a un bouton pour accélérer, mais je trouve que le personnage est déjà plutôt rapide d'emblée, donc ça ne sert à rien. Et on peut re-sauter. Ah merde, on se transforme en Daffy Duck. Non, c'est même pas Daffy Duck, là. Ouah, wow, ça fait un stage à la fin de stage de Mario Bros. Super Mario Bros. 3. Il est plutôt agréable hein, à jouer. Mais malheureusement, il n'y a pas de difficulté. Alors, il y a peut-être un truc caché. Eh oui, il y a un truc caché là-haut. Abdouwap, Abdouwap, Abdouwap. Par contre, ça ne sert à rien. Mais on va essayer d'y aller. Abdouwap, Abdouwap. Alors attention. Et là, il y a Walou. Alors, c'est toujours les mêmes personnages. Achoup. Hop là, boum. Je suis Hampton, collectionne. Autant de carottes que possible. Et toutes les 30, tu reçois quelque chose. Essaye d'en avoir plus. Ah, comment il peut sauter? Attends. Ah, on peut se mettre. Oh putain, on peut... Ah oui, on peut... Ah oui, on peut freiner quand on fait un contre-braqué. Et merde, là, c'était pour voir la hitbox. Je joue Pinou là. C'est le deuxième là qui avait ce qui ressemble à un mini-jeu. Une compilation de mini-jeux parties qui sont horribles, qui sont pas agréables. Là ça reprend le jeu. Là la version Mega Drive. Bon, un peu plus simple, mais franchement, M. Bourdin, je trouve que les graphismes ils sont vraiment classe. Quoi. Le bonhomme il a un bon ratio. Il est bien joué Pinou. Abdouwap. Allez, on va recommencer, hop. On collectionne, we'll get. Voilà, une vie toutes les 30 carottes, c'est bon. Allez. Alors, moi, je suis plutôt content du jeu, il m'a rien coûté.
J'aimerais savoir le reproduire, cette histoire de cousse de... Où on peut ramper, ou est-ce que c'est que... Abdouap, Abdouap. C'est toujours le même ennemi, ça c'est chiant. Abdouap, Abdouap. Ah lui, il saute, comme dans New Super Mario Bros. Oh putain, c'est qu'il est. Et merde, on se fait toucher une fois, on crève, on recommence du début. Les carottes, elles sont stylées. Ouah, ça a lagué. Oh putain. On s'est transformé. Attention. Abdouap, Abdouap. Abdouap, Abdouap. Ouais, il me fait chier, le... S'il descendait, ce serait mieux. Hein. Là, les ennemis sont trop gentils avec nous. Aïe, 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 je pars. Et merde, putain, j'aurais dû... Il est facile, c'est juste que, bon, là, pour l'instant, c'est facile. Hein. Il n'y a pas de difficulté. C'est qu'on veut, j'essaye de faire, pour moi, un peu plus de risques. Un devoir... Non, je veux pas prendre le... Je veux rester Daffy Duck. Abdouap, Abdouap, Abdouap. On va prendre la vie, parce que sinon on va faire que perdre, vu qu'il m'en reste une. Allez, allez. Alors j'ai pas appuyé sur Select, je sais pas ce que le bouton peut faire avec. Dépêche-toi. Allez. Abdouap, Abdouap, Abdouap. Hop, pardon. Abdouap, Abdouap. Oh! Abdouap, 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 ouais, c'est bon. Le stage est facile. Si je voulais juste essayer de tuer le gros. Le chien. Hein. Coucou, choupette! Ben, je vais taper dessus, c'est pas ça qu'il fallait faire. Non, c'est pas... Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de stages, hein, que 6 stages comme ça. Là, on va prendre Taz. On se voit plus tard, ok. Ah, non, on peut choisir plusieurs personnages d'emblée. Ah ben non. Bon, ça se répète un peu les graphismes, genre les univers. Hein? C'est le même stage. Ah non, non, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait... Putain, me dites pas qu'il faut tuer le boss ou je sais pas quoi, là. Ah, on peut faire avec lui. Allez, choupinons, lui. Attends. Et merde. Il peut se faire toucher, lui. J'ai pas compris pourquoi, lui, on peut se faire toucher deux fois. Bon, ben, désolé, mais je comprends pas pourquoi on fait toujours le même stage. Abdouap, Abdouap. Abdouap, Abdouap. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec... avec la meuf, là, à la fin? Oh, putain, c'est pas possible. Il y a une voix digitalisée. Ce qui est bien, c'est sur cette console, j'ai un bruit de fond qui fait grrrr, comme ça. Là, vous l'entendrez pas parce que la qualité du son est pourrie, mais... En tout cas, je vois pas de changement de flagrant de gameplay selon le personnage. Est-ce qu'il fallait transformer un certain personnage pour que la meuf nous fasse le bisou? J'ai pas compris comment il fallait la taper, la meuf. Abdouap, Abdouap. Bon, bah en tout cas, ça va vous faire toujours la même chose. Le jeu est beau et très maniable. On a des gros sprites. J'ai l'impression que le personnage il a avancé, donc je vois pas, peut-être que je vais essayer d'appuyer sur Select, je sais pas. J'appuie sur Select,
Start Select, non, il n'y a rien. Merde, putain, je voulais appuyer sur bas pour ouvrir. Je voulais appuyer sur bas pour faire la glissade, un peu comme dans un truc de Mega Man 3, mais ça n'a pas marché. Oh putain, lui! Abdouwap, Abdouwap! Il peut s'accrocher au mur, lui, non? Ah oui, lui, il peut rester au mur. Abdouwap, Abdouwap, Wap, Abdouwap, Abdouwap. En tout cas, c'est chiant, toujours la même musique. Hein. Aïe, 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 fais attention. Putain, mais je veux le toucher. Attends, comment on fait pour l'avoir, ce gros con, là? Le chien. On n'a pas le temps de passer entre deux attaques. Je fais pas exprès de montrer toujours la même chose, hein, mais. Le jeu il met deux pas là. Hein. Allez, on va finir par la connaître par cœur. Allez, un peu de voix. Si on attend trop. Parce que les tortues dans Mario qui nous balancent les marteaux, là, les frères marteaux, quand on a compris le truc, c'est facile, on reste à proximité. Mais lui, 1, 2, regardez, 2, 1, 2, comment tu fais, 2, 1, 2, t'as pas le temps. Putain, on veut se coller à lui pour pouvoir lui sauter dessus, et au dernier moment, ça marche pas. Ah, pénible, on comprend rien. Il y a un petit lag là. Après, ce qui est sympa, c'est qu'on peut gagner des vies au. Se faire un max de vie avec les cacarottes. Je couperai un montage, un enfant, mais. Quand même débile de ne pas arriver à faire un stage normalement. Ce qui manque, c'est la variété des ennemis, c'est toujours les mêmes. Bon, lui, je me casse. Bon, j'ai peut-être loupé un truc là avec la fille, je comprends pas. C'est ça qu'il fallait faire, exit. Ah non, il fallait attendre. Oh putain, mais non, c'est pas ça que je veux faire. Non, mais c'est pas possible. À chaque fois, je me gourre le bouton. En plus, on peut même pas appuyer sur select. Ah oui, c'est une extra life. Ok, là, faut pas se faire toucher. Comme ça, on va essayer de voir le gros chien. Peut-être le stage, il fallait juste. Attendre trois fois trois allers-retours pour que la meuf elle nous comment ça s'appelle, il faut éviter trois fois la meuf et après il y a la porte de sortie qui arrive. Regardez-moi ça, on est comme Sonic là. Abdouwap, Abdouwap, aucun montage hein. Allez, on y va. Dope, dope. Allez, il faut que je garde le cœur pour essayer de battre ce con de gros chien là, parce que maintenant que je sais comment on fait. Oh putain, il a une drôle de. Ah putain, merde, lui il saute pas haut par contre. Aïe aïe. Oh putain, j'ai failli me prendre le connement le deuxième coup. Aïe 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 aïe. C'est une histoire de power, on voit en bas à droite, en bas à gauche qu'il y a power. Et on se transforme en fait, on a un pouvoir en plus qui s'active quand on laisse appuyer le bouton B. Allez vite, hein. 3 fois 3, 9, allez. Abdouwap, abdouwap. C'est long parce qu'on peut pas zapper et appuyer sur un.
Allez, fais pas le con, là. Est-ce que ça veut dire que quand on se transforme comme ça, quand on est en ouragan, on peut taper l'ennemi? Est-ce que... Oh putain. Ah ben voilà, on l'a buté ce con. Ouais, ça fait rien en fait. On a essayé de faire le truc. En fait, il faut éviter trois fois la fille et la porte s'ouvre. C'est peut-être ça. Hein. Je sais pas. Ah voilà, c'était tout ça en fait, tout simple. Elle dirait combien la vidéo? Tout ça pour ça quoi? Dop dop. Alors là, faut pas que j'appuie sur un bouton. Ah, ça y est. Bon, ah, par contre, c'est tous les mêmes ennemis, mais le jeu est beau. On a des gros sprites. Et la musique est sympa. Ça y est, le jeu commence. Je commence. C'est le jeu commence. Oh putain, ouais, on peut appuyer sur... Attends. Est-ce qu'on peut les toucher ou pas? Vu qu'il y a très peu d'ennemis, je sais pas comment. Est-ce qu'on peut se faire toucher par les citrouilles ou faut juste les éviter? Oh putain, attention. Les ennemis repop. Oh putain, merde. Ah non, il faut pas les toucher là. Pas toucher où? Oh putain, attention. Ça y est, elles sont figées. Extra Life. Ça sert à quelque chose. Ah oui, elles sortent des trous. Ah, mais lui, il se met à sauter. Ah, déjà, le stage devient mieux. Voilà, là, il faut. Là, le stage devient cool. Bah, c'est simple, hein. C'est simple, c'est du bon pain. Il est bon, ce pain, mais c'est simple, hein. Là, il va tomber un truc, c'est obligé. Vite, 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 cassez-vous. Mais merde, putain. Ça, c'est du gameplay, ça y est. Là, on a un vrai jeu, ça y est. Le premier stage, c'était pour la blague, pour nous faire... pour être gentil avec les petits. Par contre, la transformation, je vois pas à quoi elle sert, parce que... Si encore, quand on était transformé, ça donnait un deuxième point de vie, mais même pas. Même pas. Ah oui, putain, quand il est comme ça, il est dégomme. Alors, est-ce qu'il peut dégommer? Il peut... Est-ce qu'il peut dégommer les trucs ou pour... Allez, cours, 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 mon petit, cours. Cours, mon petit. Cours, mon petit. Ah, j'ai pas fait le bon chemin. Là, il faut courir sans sauter. Ah merde, ben lui, ça marche pas parce qu'il est trop lourd. Oh putain. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi on a le choix de trois personnages au début. Allez, hop. Ah oui, il est plus agile, lui. Oh putain, attention. Ce sera la review. Je fais comme vous montrer toujours les mêmes stages. Attention. Attention. Allez, un petit point de vie. Voilà, lui, on peut faire. Là, ça va devenir chaud avec les petits... Oh putain, attention. Attention. Une fois qu'on le sait... Oh, il est très sympa, ce jeu.
continue toute sa aventure. Attention. Ah merde, mais... ils sont pas trop longs, les stages, ça va. C'est des stages, un jeu pour bébé, quoi. Mais après, je sais pas si les boss, on peut les taper ou pas. Est-ce que les boss, il faut juste les éviter? Parce que si c'est juste les éviter, droite et gauche, droite et gauche, voilà, quoi. Voilà, est-ce qu'il faut avoir le bon mec? Mais putain, mais on le tape quand? Je vais te sauter dessus, ça marche pas. Bon, putain. Bah écoutez, moi je m'arrête là. Oh, non, allez, on joue un peu là, putain. On a marre des reviews, le mec il joue 3 minutes quoi. On va essayer de voir. Tant qu'à faire, on va pas se taper les 3 premiers stages, le premier stage 10 fois. On a enfin un stage. Alors le problème de cette... Après, je sais pas si le jeu c'est pareil parce que... Si le jeu fonctionne avec des passwords, les passwords marcheront sur cette Famiclone. Mais comme il n'y a pas de sauvegarde... Après, à l'époque, on n'avait pas de sauvegarde. Un jeu comme ça, je pense pas qu'il y avait une puce de sauvegarde. Donc, on est dans le rétro gaming, dans le vrai, quoi. Là, j'ai toujours pas compris. Hein, est-ce que ça nous apportait? Ouais, quand on appuie sur bas. Ouf. Et allez, il est trop lent ce personnage. Dans ce stage, il faut pas le prendre, quoi. Et merde, putain, la hitbox, elle fait chier. Dépêche-toi. Putain, on a une box de... Et on peut pas appuyer sur Select. Vite que je me change en box bunny parce que... Attention. Enfin, on peut leur taper sur la tête. Putain, mais tout à l'heure, il fallait y aller depuis tout à l'heure. Et merde, je sais pas sauter. J'ai voulu glisser. Bon, dès qu'il y a un game over, j'arrête et je recommence ce jeu chaudement parce que le premier stage était pas top. Et merde, je me suis trop ensemble. Non, il est bien rigolo quoi. Les sprites, ils sont très très beaux. Très agréable en main. Le jeu est très. Allez, le bouton s'est cassé. Attendez. C'est bon, il reste collé. Je vais mettre un bout de scotch. C'est vraiment le truc de merde, quoi. On a les deux boutons A et B sont tenus non pas chacun séparément avec des petits picots sur le côté, comme sur n'importe quelle manette, mais par une petite languette. Et la languette, en fait, elle se casse au bout de... quand on appuie. Et ce qui fait que le bouton se détache. Donc là, je dois en mettre du scotch. Ça va faire super beau. Ouais! Coup la sensation avec un pad, avec un bouton qui a le. Là, je fais exprès pour vous dire tchou. Voilà, le bouton qui en plus pas tenu avec du scotch, ça fera beau. Non, très très bon jeu. Sur ce, ciao Pépito pour une prochaine vidéo. A plus mes puces.